Nous venons parler des prémices. We like to speak about our the first fruit. Les prémices. The first fruit. Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, on a parlé des quatre semences. Last Sunday we spoke about four seeds. On parlait des prémices. We spoke about the On a parlé first de la dîme. We spoke about the tithe. De l'aumône. Of the alms. Et de l'offrande. And the offerings. J'ai expressément voulu prêcher en français pour nous aider, nous les francophones. I wanted to preach in French to help us as French speakers. Et l'enseignement d'aujourd'hui est le complément de ce qu'on a parlé, mais ça va être aussi complet dans son entièreté. And, mais donne-moi l'attention. The teaching today is the complement of what we learned last Sunday, but it's going to be completed on its own. Amen, amen. Amen. Qui a été béni le dimanche? Who was blessed last Sunday? Amen, amen. Amen. Mais l'application fera la différence. But the application will make a difference. Nous avons dit ceci le dimanche passé. We say this last Sunday. Pourquoi Dieu veut te bénir? Why does God want to bless you? Dieu veut te bénir. God wants to bless Dieu you. Dieu veut te bénir. God wants to bless you. Afin que so that tu aies en abondance. You can have in abundance. Pour répondre à tes besoins. To respond to your need. Mais après avoir répondu à tes besoins, but after responding to your own need, tu sois aussi à mesure de répondre aux besoins. So you can also be a response to other people's need. That's God's will. Tu ne dois pas consommer toi seul la bénédiction. You cannot consume your own blessing. Mais après avoir répondu à tous tes besoins. But after you have responded to all your needs. Que tu n'aies pas quelquefois. Que tu n'aies pas beaucoup de fois. So that you may not have sometimes que or tu n'aies pas a lot of times. Souvent. Or you ou seulement not often, au moment des taxes. Or sometimes at the mais tax mais que tu aies toujours. But so that you can always have en abondance. In abundance. Pour répondre à tes besoins. To respond to your needs. Et aux besoins des autres. And to the needs of others. Écoutez-moi quelqu'un. Listen to me. Dans someone. La vie chrétienne. In Christian tu life. Tu ne pourras pas avoir ce que tu ne poursuis pas. You cannot have what you do not pursue. Amen, amen. Amen. Ça c'est Dieu. That's God. Ça c'est l'argent. And that's money. Est-ce que un chrétien can a Christian peut avoir Dieu? Can they have God? Et beaucoup d'argent? And a lot of money? Il peut? Can they? Ou il ne peut pas? Or not? Il peut, n'est-ce pas? They can, yes. Quel est le vrai problème? What's the true problem? Tu ne pourras pas quoi? You cannot what? C'est tu ne pourras pas you cannot, what? Servir serving, les deux à la fois. Serving both parce at the same que time. Why? Tu peux avoir Dieu because you can have God comme un maître que tu sers as a master that you're serving, et tu as l'argent and then you have money comme ton serviteur. As your servant. C'est ça les règles de Dieu. That's God's, ayez rule. Dieu comme le maître have God as a master, et l'argent pour le serviteur. And then money as a servant. Parce que l'argent n'a pas été fait pour être le maître. Because money was not made to be a master. Et toi son serviteur. And you a servant. Comme ça, si l'argent te fait ce qu'il a à faire. So that when money does whatever it does. Quand avec l'argent tu tombes dans l'accident ou dans la maladie. When with money you maintenant get into tu sickness. Dieu, viens me guérir. Now viens, you tell viens, God, viens, come viens, and viens, heal viens, me. Non. Come, no. Dieu n'a pas été fait pour être le God serviteur. God was not called to be your servant. Tu peux avoir Dieu et l'argent à la fois. You can have God and money at the same le time. Le problème c'est les propres priorités. The problem is the priority. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois you comme le maître. Both at the same time ça ne se fait pas comme cela. That's not how it tu works. Peux avoir les deux. You can have both. Mais pas les deux maîtres à la fois. But not both as master. Pas Dieu le serviteur. Not as God as servant. Le chrétien doit avoir Dieu comme son the maître. Christian has to have God et as là, lui le gérant. And then it's the l'argent manager. Le serviteur. And then money is the je servant. Suis en train de dire à quelqu'un. I am telling someone. Tu peux avoir autant d'argent que tu you le can peux. Have as much money as mais tu you dois want, garder seulement l'ordre but de you Dieu. Have to keep this order. Tu dois aspirer à avoir l'argent. You have to aspire to having money. Pour affecter les royaumes de l'ennemi. To affect the kingdom of the enemy. Et influencer positivement les royaumes de and Dieu. And influence positively the kingdom qui a compris? Of God. Who understood? Qui a compris? Who understood? Donc c'est important que nous gardions l'ordre de Dieu. So it's important for us to keep that donc, order. Dieu veut te bénir. So God wants to bless you. Pour que tu aies en abondance. So that you can have in abundance. Et que tu répondes aussi aux besoins des and so that you can also answer other maintenant, people's questions. Dieu te bénit, so when God blesses you, il y a toujours des choses dans ce que Dieu te bénit. There's always two things in what God does. Dis à côté de toi, quand Dieu te bénit, il y a toujours des choses. There's someone else. When God blesses you, there are two things. Amen, amen. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Look at what the Bible says. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthians 9, 10. La Bible dit ceci. The Bible says this. Lis avec nous. Read with us. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera quoi? Le fruit de votre justice. Amen, amen. Amen. Je sais que quelqu'un a lu. I know that someone read. Je sais que quelqu'un a déjà lu ça. I know that someone has je sais already que tu ne read comprends it, pas ce que tu lis. But I know you don't understand what you are reading. Amen, amen. Amen. Rentrons dans le texte qui est au tableau. Let's go back to that test.
Écoute ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Celui qui fait quoi? The one that does what? Fournit quoi? That gives what? De la semence à qui? Seed to the sower. Et du pain pour? And the bread for his food. La nourriture vous fournira. Will give you. Et vous multipliera. Dis multipliera la semence. And will multiply the seed. Et augmentera les fruits. And will add the food. Maintenant regarde ici. Now look here. Dans ce que Dieu te donne. In what God gives you. Il y a des choses. There are two things. Il fournit quoi? What does he give? Là. He gives the seed. Et quoi? And what? La semence et le pain. The seed and the bread. Dans ce que Dieu te donne. In what God gives you. Il y a la semence. There's a seed. Et il y a le pain à manger. And there's food for you to eat. There's bread for you to eat. Dans ce que Dieu te donne. In what God gives you. Tout n'est pas à manger. Not everything is for you to eat. Tout n'est pas à semer. Not everything is for you to sow. Dans ce que Dieu te donne. In what God gives you. La semence. There's a seed. Et le pain à manger. And then there's the bread. Tu ne manges pas tout ce que Dieu te donne. You do not eat everything that God gives you. Tu ne sèmes pas tout ce que Dieu te donne. You do not sow everything that God gives you. Tu dois savoir faire la différence. You have to know how to make a difference. Dans ce que Dieu t'a donné. In what God has given you. Qu'est-ce que je dois semer? What can I sow? Et qu'est-ce que je dois manger? And what can I eat? Ton problème? Your problem? Tu manges tout. You eat everything. Amen. C'est ça ton problème? That's your problem. C'est ça ton problème? That's your problem. Il donne la semence. He gives the seed à semer to the sower et le pain à manger. And the bread to eat. C'est à toi de savoir quelle est la semence. It's up to you to know what is the seed. Quel est le pain à manger? And what's the bread to eat? Oh, tu lis mais tu ne comprends pas. You read but you do not understand. Quelqu'un aide-moi. Can someone help me? Comment est-ce que ce verset-là peut être vrai? Parce qu'il dit, lui multipliera la semence. How can that verse be true? Because he said he's going to multiply the seed. Comment est-ce que Dieu peut multiplier la semence? How can God multiply the seed? Comment? How can God multiply the seed? Quand tu sèmes, c'est la première semence. When you sow that first seed, que la semence sera multipliée. That's how it will be multiplied. C'est ça la réalité. That's reality. Aucune semence sera multipliée si elle n'est pas semée. No seed will be multiplied if it's not sowed. Dieu ne multiplie pas la semence en priant. God does not multiply c'est the seed. C'est ce que tu ne comprends pas dans le verset que that's tu lis. Not what, that's what si you don't tu understand. Ne comprends pas le naturel, comment interpréteras-tu le spirituel? If you don't understand naturally, how would you interpret? Il multipliera la semence si tu sèmes la première semence qu'il t'a donnée. He will multiply the seed if you sow the first seed that he gave. Ta récolte est attachée à la semence que tu as. Your harvest is attached to the seed that you have. Mais quand tu manges toutes tes semences. But you consume Dieu the ne pourra seed. Pas multiplier ta semence même si tu jeûnes et tu pries. God cannot multiply your seed even if you pray and fast. Mais comment multiplieras-tu les fruits? But how are you going to multiply the fruit? Maintenant quand tu auras semé beaucoup de semences que tu as reçues. When you will have sowed a lot of seeds that you have received. Des fois toi tu lis le verset. Sometimes you read the verse. Maintenant tu pries. But then Seigneur, you pray. Il est écrit. Lord, tu dois la semence aux semences, aux semères. Et du pain, Seigneur. Tu vas multiplier ma semence. Tu vas multiplier ma récolte. You will multiply my harvest. Après avoir prié. After you pray. Qu'est-ce que tu dois faire? What do you need to do? Mais maintenant, en multipliant ces versets, si tu ne comprends pas ta part, ces versets seront une réalité. But multiplying that verse, if you do not understand non. your part, is that going to be reality? Dans ce no. que Dieu t'a donné, il y avait une semence dedans. In what God gave you, there was a seed inside. Il y avait le pain à manger. There was the bread to tu eat. Tu as mangé la semence sur le pain. You ate the voilà seed. Voilà pourquoi les dents sont venues amères. Parce que tu as mangé la semence qu'il ne fallait pas manger. Everything became bitter because mange you un peu la semence de l'avocat, tu sauras. Just eat the seed of the avocado. Parce qu'elle n'a pas été faite pour manger. Because it was not made to be eaten. Mais toi, tu manges le tout. But then you eat voilà pourquoi everything. Ils sont devenus amers après avoir That's mangé. That's why it became bitter after you ate. Mais là, tu continues à prier, Seigneur. Tu as dit, tu vas multiplier ma semence. Now et il multipliera ce que tu sèmes la première God, semence. You say you multiply my seed. It will multiply. Seigneur, tu as dit, tu multiplieras ma récolte. Non, 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 non. Écoutez-moi quelqu'un. No, listen to me, someone. Le grain de blé. The grain of flour. Qui tombe, that falls, qui meurt, that dies, produira beaucoup de fruits. Will produce a lot of fruit. La semence, the seed, pour produire, for it to produce, doit entrer en contact avec un terrain, has un sol. To get into doit, a ground, doit. Has to get into la semence, the seed, que tu mets dans le semis, that you put in the semis, ne produit pas. Will not produce. La semence qui produit, the, celle qui entre en contact avec la terre, the one that gets into celle qui est semée, what's So, celle qui va mourir, will die, celle qu'on a épargnée, ne produit pas dans le plan de Dieu. Mais c'est ce qui est en terre, qui est entré en contact. C'est ce qui donnera. Parce que la vie commence par la semence. S'il n'y a pas de semence, no seed, il n'y a pas de vie. No le sperme
C'est ce qui donne la vie. That's what gives la life. Vie commence par une semence. Life mais la semence seed. Doit entrer avec le contact but avec le sol. Has to get into contact with the ground. Si tu ne comprends pas, if you do not understand, tu seras en train de jeûner et de prier, be fasting and mais praying, tu ne comprends pas les principes. But you do not understand the il principles. A dit les versets, he said mais the il est à part dans l'accomplissement de tous les versets. Amen. Qui a compris? Who understood? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu te donne la semence et le pain. Tell someone next to you, God gives you the bread and the seed. Dis à quelqu'un, je suis sincère, moi je mange la semence et le pain. I'm sincere, I have je the bread, tout. I eat everything, I eat the bread and the seed. Dis à quelqu'un, ce qui est étonnant, je me plains encore, pourquoi je n'ai pas de semence? Say, what's even surprising, I complain, why don't I have the harvest? Quelqu'un a compris? Someone understands? Il donne la semence à qui? He gives the seed dis à quelqu'un au semeur. To the sower. Quelle est la qualification pour recevoir la semence de Dieu? What is the qualification to être receive qui? God's seed? Je pose la question. You have to be a sower. Si Dieu a sa semence, I ask the question, if God has his seed, entre les recevoir de ma mère, between receiving in my hand, et la qualification du cœur, and the qualification of my heart, qui précède qui? What comes first? Qu'est-ce qui précède? What comes first? Le cœur du semeur. The heart of a sower. Si Dieu trouve quelqu'un le cœur d'un semeur. If God finds someone the Dieu heart of a sower. Dieu fera tout pour mettre une semence dans ta main. God will do everything to put a seed in your hand. Je répète encore. I'm repeating myself. Beaucoup nous cherchons la semence. A lot of us we are looking mais for a seed. Mais nous sommes disqualifiés dans le plan de Dieu. But we are disqualified in God's Dieu plan. Dieu connaît ce qu'il nous donne c'est à manger seulement. God knows that if he gives us it's just to eat. Si tu es qualifié dans l'économie de Dieu. If you are qualified in God's economy. Aucun sorcier ne te privera d'avoir la semence que Dieu a prévue pour no toi. No witch will keep you from getting the seed. That God has Dieu donne la semence. Dieu donne la semence. God gave the seed. La semence au. Oh. The seed to the sower. Quelqu'un a compris? Someone understand? Demande à quelqu'un s'il a compris. Ask someone if they understood. Demande à quelqu'un s'il a compris. Ask someone if they understood. Amen, amen. Amen. Quand on prêche sur les données, when they are preaching on the giving, on the principles, ton cœur fait mal. Your heart is hurting. C'est l'esprit de sécheresse, pauvreté, limitation qui te combat. It's the spirit of limitation, drought. Parce que tu dois être joyeux de connaître les choses que tu ne connaissais pas. You have to be happy to know things that you did not know. Parce que ta bénédiction dépend de l'application de ce que tu connais. Because your blessing depends on the application of what you did not know. Qu'est-ce que les prémices? What are first fruits? Qu'est-ce que les prémices? What are first fruits? Nous avons dit ceci. We say this. Papa Roger. Nous avons dit ceci. What did we say? Qu'est-ce que les prémices? What are the first fruits? Écoute ce que le verset dit. Listen to what the verse on va lire ces deux versets. We'll read these two verses. Tout premier né m'appartient. Même tout mâle premier né dans les troupeaux des gros et de menu bétail. Dieu dit tout premier, il fait quoi? M'appartient. God said, all first le verset 26 a dit ceci. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Amen, amen. Amen. Les prémices appartiennent à qui? The first fruit belongs to les prémices appartiennent à Dieu. The first fruit belongs to God. Ce n'est pas une option. It's not an option. Ce n'est pas à délibérer, à discuter, mais les prémices appartiennent à Dieu. But the first fruit belongs to God. Les prémices, la dîme appartiennent à Dieu. The first fruit and the tithe belong to God. Nous avons dit qu'est-ce que les prémices? We say what are first. C'est le premier test de goût que tu reçois. It's the first test that you receive. Nous avons dit c'est le premier salaire que tu reçois. We say it's the first salary that you receive. Nous avons dit c'est le premier increase que tu reçois. We say it's the first increase that you receive. Le premier increase du travail. The first increase in our work. On m'a payé $100. They were paying me $100. Maintenant, on va me payer ça 50. Now I'll get paid $100. Le premier $50 que tu reçois du salaire. The first $50 that you receive from your c'est salary. C'est les prémices de ton revenu. Appartient à Dieu. Ça those t'appartient are the pas. First fruit of your revenue that belongs to God. It does not belong to on you. On m'a payé $300. They were paying me $300. Maintenant, on va me payer $380. Now they'll give les me $380. Les 80 qu'on a augmenté, c'est les premières augmentations du salaire. Ça appartient à Dieu. That $80 is the first augmentation. It's the first increase. Donc, les prémices appartiennent à Dieu. Un point très. So the first fruits belong to God. Donc, quand tu reçois les prémices, when you receive the first fruits, tu connais que c'est la part de Dieu. You know that that's God's part. Nous avons dit comme à la dîme. We say we, even with the tithe. Donc, il y a la part de Dieu que tu as que tu dois donner à Dieu. There's God's part that you have to give to God. Vaut mieux avoir 90% qui me bénit que d'avoir 100% qui. It's better to have 90% that blesses me instead of 100% that curses me. Donc les prémices appartiennent à Dieu. So the first fruits belong to God. De ce que tu reçois. Of what you receive. Cela appartient au Seigneur. That belongs to the Lord. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Is it clear? C'est important. It's important. Je t'oblige pas à le faire. I am mais not je t'enseigne to à give, le faire. But I'm teaching you maintenant to ta do. Réponse dépendra de ce qui arrivera so dans ta vie. So your response will
Dépendra ce qui arrivera. Je commence à travailler. Touch on what will happen in le life. Premier bonus qu'on me donne au travail. I start working, the first bonus I get at work. Le premier. The first. À partir de Dieu. Voilà pourquoi les fruits sont une fois l'année. That's why it can be the first fruit can be once a year. Parce que j'ai eu seulement une fois l'augmentation. Because I only got one increase. Cela appartient au Seigneur. That belongs to the Lord. Quelle est son importance? What is it? Nous avons dit que le premier c'est consacrer la récolte. We said that the premise blesses the harvest. Consacré veut dire mis à part, sanctifié pour Dieu. It makes it holy, puts it apart for God. Écoute ce que je suis en train de dire. Listen to what I'm saying. Quand j'ai la récolte, when I have my harvest, je tire la dîme. I take away my tithe. Mais les prémices, but the first c'est fruit, avant même la récolte. That's even before the harvest. Donc, je commence seulement ce travail. So I start that job. Avec Dieu, with God, c'est pas le montant. It's not the amount. C'est l'obéissance et la proportion de ce qu'il t'a donné. It's the obedience and the proportion of what he Dieu has ne regarde pas le montant. God does not look at the amount. He looks at the proportion and the proportion. Maintenant, l'importance du prémisse. So the importance of a first fruit. Il consacre déjà la récolte avant de venir. He makes the harvest holy even before he gets here. Consacrer veut dire quoi? To consecrate means Dieu what? Considère aussi ta récolte comme sanctifiée. God consider your harvest as holy. Quelqu'un a compris? If someone understands, c'est ça l'importance des prémices. That's the importance of our first fruit. La dîme de son côté. The tithe on the side. Ouvre les écluses de dessus. Opens up the windows. Répand la bénédiction sur toi. And makes the blessing fait fall down. Fait que Dieu menace les dévorer. It makes God threaten fait que les gens te diront bienheureux. It will make other people mais les prémices de son côté. Happy, but the first fruit. Avant même que tu aies la récolte. Even before you get the harvest. Dieu a déjà sanctifié ta récolte. God has already made holy your harvest. Amen, amen. Amen. Et pourquoi on doit donner les prémices? And why do we need to give the first fruit? Nous donnons les prémices. We give the first fruit. En fait que nos greniers so that our barns soient égorgés. So that our barns can en be abondance, filled. Ce qu'on avait can dit. Be abundant. Et nous avons dit que nos greniers c'est nos comptes bancaires. We said our barns can be our bank accounts. Nos comptes bancaires seront égorgés. Our bank accounts will be filled. Et nous avons dit qu'est-ce qui va nous motiver à donner les prémices? So what will motivate us to give our first fruit? C'est l'obéissance. It's obedience. Et je vais honorer. And I want to honor. Dieu. I want to honor God. On ne donne pas ça par pitié. You don't give it because you feel pity. On ne donne pas ça par compassion. You don't give it by compassion. On donne ça par obéissance. You give it by obedience. Et lorsque tu donnes quelque chose par compassion and ou when par you pitié, give ça devient quoi? By compassion and, ça devient quoi? What does that become? Le monde. It becomes et le monde on le donne à qui? And the alms you give it to who? À un homme. To a man. Le monde on le donne pas ça à Dieu. The alms you don't give it to God. Tu donnes à un homme. You give it to a man. Parce qu'il ne peut pas te reprendre. Because he cannot pay you back. Dieu dit, je prends ça comme un prêt. God said, I'll take it as a loan. Je vais payer ça. And I'll pay you back. Il faut bien comprendre. You have to understand it well. Sur le sacrificateur, if the high priest, il va, il, si l'enfant d'Israël, il donne sa dîme au prêtre. He gives the, his tithe to the priest. Il part, il voit un Bartimée, il lui donne le monde. And then he sees Bartimaeus and gives him the alms. Maintenant, il attend la récolte de la dîme qu'il a donnée au prêtre. Now he's waiting for the il attend la récolte de l'aumône que Bartimée a mangé. Is he waiting for the harvest? C'est qu'il va aller planter. If he goes c'est and sows, la récolte. That's why you wait for the harvest. Donc on n'attend pas la récolte de l'aumône. So you don't wait for harvest on the alms. Tu attends quand tu seras dans les malheurs, Dieu te donnera ton aumône. You wait sans for intérêt. You when you will be in misery. This God, will be 100%. God will give you your alms with no interest. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Le monde nous le donnons à qui? So the alms we give it to who? To a man. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Now listen to what the Bible says. On dit Christ est devenu quoi notre? Hein? They say dit Christ, Christ est le premier. Christ is the first. Christ fruit. Est notre premier. Regarde Christ ce que la Bible dit. First fruit. Look at what the Bible says. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire le verset 20. Et l'autre verset, la Bible dit ceci. Mais maintenant, the Bible says Christ this. Est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont. Il est le premier de qui? He's the first fruit de ceux qui sont morts. Of those who are dead. Christ est le premier de ceux qui sont morts. Christ is the first et comme tous se meurent en Adam, de même aussi tous revivront comment? En Christ. Et le verset 23 dit, mais chacun en son rang. Christ est comme un? Christ est comme quoi? Prémisse. Puis quoi? Ceux qui appartiennent à Christ. Christ est comme une prémisse, puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Amen, amen. Amen. Qui est notre prémisse? Who's our first fruit? Qui est notre prémisse? Who's our first fruit? Maintenant, suis. Now listen. Dieu du haut du ciel. God from heaven. Il a son fils unique appelé Jésus. He has his unique son called Jesus. Le premier-né de toute la création. The firstborn of all creation. Aucune semence ne produira si elle n'entre en contact avec quoi? No seed will produce avec if it doesn't get in contact avec with the la ground. Terre.
La semence doit être semée. A seed has to be sowed. Dieu du haut du ciel, il prend Christ. God from heaven takes Christ. Le grain de blé. It's a seed of flower and sow it on earth. Jésus a dit personne n'est monté si ce n'est que celui qui est. Jesus said nobody came down unless the one that came down. Lorsqu'il résistera après trois jours. When he resurrect after 3 days. Le dimanche. On Sunday. Matin. On Sunday morning. Marie veut le toucher. Mary wants to touch him. He says what? Ne me touche pas. Pourquoi? Why? Je ne suis pas encore. Because I haven't been up, mon père. Parce there. Que les premiers doivent être présentés à Dieu. Because the first food has to be presented to God. Je dois alors me présenter. I have to present myself. Il monte, il se présente devant he son père. He goes up and presents himself to his father. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as envoyé. I accomplished the work that you had sent me for. C'était ça. Il est devenu notre He became prémisse. Our first fruit. Maintenant, ceux qui sont en lui. Now, those who are in him. Le dernier verset. The last le dernier verset verse. Ceux last qui verse. Sont en lui. Those who are in him. Il dit, ceux qui appartiennent à qui? Say those à who Christ. Belong qui to appartient Christ. À Christ? Who belongs to Christ? Nous. Us. Nous sommes les membres de son corps. We are the members of Parce his body. Parce que la récolte est dans la semence Because à semer. Because the harvest is inside the seed. Ta récolte. Your harvest. The harvest est dans la semence qui a semé. Is inside that seed. Dieu a semé Jésus. God sowed Jesus. Et nous tous, nous sommes les membres de cette semence appelée Jésus. And all of us are the members of that seed called Jesus. Lui est devenu notre prémisse. He became our first fruit. Maintenant la récolte que l'Église est garantie au jour de l'avènement de l'enlèvement. It's guaranteed on the day of rapture. Je suis en train de dire à quelqu'un. I'm telling someone. Si tu commences à piquer la vie de la prémisse. If you want to live the life of the first fruit. Il n'y a rien que le diable peut empêcher de récolter dans ta vie. There's nothing that the devil can keep from Parce que la récolte est déjà garantie. Because the harvest is already guaranteed. Regarde ce que tu ne comprends pas. Look at what you do not understand. Non seulement Jésus, je suis appartient à Dieu. Not only Jesus belongs Même to God. Mais nous l'église nous appartenons à qui? But even us, à the Dieu. Church, we belong to God. Donc celui qui donne la prémisse. So the one that gives the first fruit. Même sa récolte est déjà considérée comme la propriété de Dieu. So even his harvest is already considered as God's. Avant même d'avoir la récolte. Even if before he gets it. Qui comprend? Who's understanding? C'est important que tu comprennes. It's important for you to understand. Parce qu'il y a des choses que nous faisons par ignorance. Because there are things that we do by ignorance. Mon souhait est que nous ne puissions pas marcher par sentiment. My wish is for us to not walk with feelings. Mais que nous appliquions par connaissance. But for us to apply nous pouvons tous faire la même chose, mais la différence est la connaissance spirituellement fait différence. We can all do the same thing, but the knowledge spiritually will make a difference. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Pierre. That's what the Bible says in the book of Peter. Nous sommes les prémices de sa création. We are the first fruit of its creation. Donc nous sommes les premiers de sa création. We are the first fruit of its creation. Dis à quelqu'un, Jésus est notre Tell someone, prémisse. Jesus is our first food. Dis, Jésus est notre prémisse. Jesus is our first food. Dis, à cause de lui. Say because of him. Nous aussi, nous sommes les prémices de la création. We are also the first fruit of God's creation. Dis à quelqu'un, les prémices garantissent ta récolte. Tell someone the first food guarantees your harvest. Et Dieu traitera ta récolte comme si c'est aussi pour lui. And God will treat your harvest as if it was already Qui est en train de comprendre? Who's understanding? Il y a des moments que les sorciers, les diables et ces démons ont de la force à cause seulement de l'ignorance. C'est tout ce qui leur donne la force. There are times where the devil and his demon only have strength because of your La connaissance ignorance. Te rend fort. The knowledge will make you strong. Regarde un peu. Look. Si je suis ici, If I'm here, je monte à l'avion. I get on a plane. On commence à monter. And we start going Puis on up. Monte. The more Puis we on go monte up, à l'avion. The more we Comment go Raleigh va être commencer à apparaître là how, à l'avion? How will Raleigh look Petit, like? Non? It's gonna look small. La position que tu es détermine comment tu vois la chose. Your position will determine how you see the si thing. Si tu commences à comprendre, If you start understanding il n'y a aucun problème qui va t'agiter. There are no problems that can shake you. Parce que ta position d'intimité avec Dieu détermine comment tu vois la chose. Because your position of intimacy with God will fois, determine how you see things. Des fois, le sorcier devient grand parce que tu ne comprends. Sometimes a wish becomes great because you do not understand. Amen, amen. Amen. Maintenant, regarde. Now look. De ce que j'aimerais que tu comprennes. What I would like for you to understand. Qu'est-ce qui arrive à celui qui mange les prémices? What will happen to the one that consumed the first food? Quelqu'un m'avait posé cette question-là. Someone asked me that question. Je dis, je vais dire ce que la Bible a dit. I said I would say what the Bible says. Je ne saurais pas dire ce que la Bible n'a pas dit. And I won't be able to say what the Bible does not say. Je connais de la dîme. I know of the tithe. On peut manger ça. You can consume parce it. Parce qu'on était biteux. Because you did not know. On était habité des difficultés. You had difficulties. Maintenant, on doit payer avec un cinquième. Now you have ça, to pay connais. With la a fifth. That's what the Bible says.
La Bible a dit ça. The Bible says that. Mais des prémices. But the first fruit. Je sais que la Bible a dit. I know that the Bible est-ce qu'on says, peut payer ça, repayer ça? Can you repay it? Je ne sais pas. I do not know. Peut-être tu iras avec ta conscience. Maybe avec ta maybe you go with your conviction and your conscience or what the Holy Spirit will tell you. Il y a des gens. There are people qui doivent être fidèles à Dieu. They have to be faithful to God. Fidèles. Faithful. La seule façon qu'ils ne seront pas fidèles. The only way they won't be faithful. Ça sera qu'ils ont oublié comment ils sont même dans ce travail. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'ils soient là? It's because they have forgotten how they got to that job. D'où est-ce qu'ils sont venus avec Dieu? How, where they came est-ce from que sans Dieu, cela avait même le droit de travailler? Because even c'est la seule façon without God, can that person quand tu vis là où Dieu job, t'a pris, when you forget from where God tu penses aussi you, tu es devenu quelqu'un? You think you became somebody? Parce que tu faisais des deux personnes. Because you are a supervisor tu of people. Que tu es quelqu'un. You think that faut you are somebody. Là où Dieu a commencé avec toi. Never forget where God ça started va t'aider with you. À rester humble. It's going to help you remain amen, humble. Amen. Amen. Ça va t'aider à rester humble. It's going to help you parce remain que tu as humble. La voiture, tu penses que tu es devenu quelqu'un. Because you have a ton car. Ton père, ton grand-père, tes oncles, personne n'a acheté la voiture. Because your father, your grandfather, nobody bought a car. Mais toi, tu l'as. But you have it. Tu la vois. Moi, la première voiture qu'on m'avait offert en Angola, c'est comme ça une voiture de malheur. Me, the first ça car, fait tout l'argent. I got offered. Donc il y a Angola, des gens qui ont des voitures seulement pour appeler les voitures. Mais ce qui lui passe avec la voiture, tu ne connais pas. But what's happening with the car, you do not know. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un qui comprend. Amen. Mais regarde ce que la Bible dit. J'aime ce verset. Écoute ce que la Bible dit. Lis avec moi. Lis avec read moi. With me. Israël était comment? Consacré qui? À l'Éternel. Il était quoi? Les prémices de son revenu. Quel est le revenu de Dieu? Toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Heaven la and terre earth. Et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Donc tous les pays lui appartenaient. Maintenant, Israël était les prémices. So Israel was the first food. Tout ce qui a mangé s'est rendu comment? Coupable. Et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. C'est pas moi, c'est le dit l'Éternel. It's not me, it's the Lord. Dit qui? Who said that? Maintenant, par rapport à ce verset, now, according to that qu'est-ce verse, qui arrivera à celui qui mange la dîme? What will happen to the one that consumes il est the comment? First fruit? Il est court? Maintenant, écoutez ce que tu ne comprends pas avec Dieu. Listen to what you Dieu ne t'appellera pas coupable si tu manges ton argent. God will not call you guilty non. For consuming ici, ce n'est pas l'offrande, ton here argent. Is not your offering, it's not ici, your c'est la prémisse. Here is the first son argent his money que tu as mangé, il dit tu es coupable. He say you are guilty parce que tu ne devais pas manger ça. Because you could not have consumed it. Dieu, la dîme et la prémisse, il te considère coupable. Tithe and offering, he considers you parce que ça guilty. Ne t'appartient pas. Because it does not belong to you. Mange ton offrande comme tu veux. Consume your offering the way you want. Donne ton aumône comme tu veux. Give your arm the way you want. Mais quand to. Il touche, but when you touch, à ce qui lui appartient, tu es comment? To what belongs coupable. To him, he say you are guilty. Qu'est-ce qui arrivera? What will happen? C'est quoi? What will happen? Qu'est-ce qui arrivera? What will happen? Le malheur, non? Misery. Le malheur arrivera. Misery will come. Est-ce qu'on a compris? Did we understand? Suis-moi ici. Listen to me. Nous avons dit le dimanche passé. We said last Sunday. Nous avons dit le dimanche passé. We said last Sunday. Caïn devrait donner comme Abel. Cain had to give as Abel. Les prémices. The first fruit. Mais il a pris une offrande. But he took an offering. Au milieu de la récolte. Among his harvest. Pas les prémices. Not the first fruit. Écoutez-moi. Listen to me. Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn parce que ce n'était pas un animal, n'avait pas la révélation. Il devait donner un animal, ça symbolisait Jésus. C'est toi qui le dis. Tu ne le soutiens pas dans la Bible. C'est toi qui le dis. You're the one saying that. Mais la raison biblique. But the biblical reason. Parce qu'il devait donner les prémices. Because he had to give the first fruit. Abel a donné les premiers nés. Abel gave the firstborn of his. Donc il a cherché quelqu'un qui est vraiment une brebis qui était grasse. So, il a donné à Dieu. So he found a good sheep and gave it to God. Mais Caïn a but pris Cain quoi? Did au what? Milieu. Certainement il a mangé les prémices. Certainly he consumed the first fruit. Les prémices n'est pas donné de la récolte. The first non, fruit is la not given donné from de la harvest. Pas les prémices. Maintenant écoutez-moi quelqu'un. But listen to me someone. Tu peux être en train d'envier quelqu'un qui a compris les prémices que Dieu est en train de bénir. You can envy someone. Be careful with the Cain. Tu envies quelqu'un parce que ce n'est que lui qui témoigne parce qu'il a compris les prémices. You envy someone because they are the only one testifying. Je te donne seulement la réponse que Dieu a donnée à Caïn. I'm only giving you the answer that God si gave to Cain. Si tu fais comme lui.
If you do as him, Dieu t'agréera aussi. God will agree to you. Si tu commences à donner aussi ton premier, c'est comme lui. If you start giving your first food as him, Dieu t'agréera. God will agree to you. Qu'est-ce qui arrivera à celui qui a mangé les prémices? What will happen to the one that consumed the first food? Nous avons parlé sur Caïn et Akan. We spoke about Akan. Que Jéricho était le premier, that la première Jericho ville de la conquête. Was the first town of the conquest. Tous les butins devaient appartenir à Dieu parce que c'est le premier, c'est les prémices. All the prenez de Haï tout ce que vous voulez, mais everything mais Jéricho belonged to God because it was the first food. Je suis en train de dire à quelqu'un. I'm telling someone. Dieu dit Israël était mon prémisse. God said Israel was my first food. Celui qui mange Israël est coupable et le malheur vient. The one that consumes Israel is guilty and the misery will come. Qu'est-ce qui arrivera quand tu manges ton prémisse? What will happen if you are consuming your tu es first coupable. Food? You are guilty. Tu empêches tes comptes bancaires de déborder. You are keeping your bank account mais to tu empêches overflow. De déborder. You will work, but you are keeping them qu'est-ce from overflowing. What will tu happen? Tu n'honores pas Dieu. You are not honoring God. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu vois, moi quand on me paye, someone told me, pastor, you see, when they pay me, je prends ma dîme. I take my tithe. Je divise seulement par trois. I just divide it by three. Je mets à l'église. I put in church. Il y a un ministère qui me soutient à la prière là au réseau. Je les renvoie aussi. There's a ministry that supports me on a prayer line. I send it to them. Et mon pasteur au pays qui m'a donné Jésus, je lui envoie aussi la dîme. And my pastor at home, back home, that you know, taught me Jesus. Est-ce que tu as un verset qui te dit de faire ce que tu fais là? Do you have a verse that's telling you to do what you were doing? Tu as un verset? Do you have a verse? Ignorant. Ignorant. Est-ce que c'est ton argent pour faire comme tu fais là? Is it your money for you to do what c'est you are argent. Doing? Is it your money? La dîme, tu la portes à la maison du trésor. Your tithe, you bring it in the house of treasury. Là où tu es mangé, tu manges. Where you are eating. Nourri. Where you are fed. Là où tu es nourri. Where you are fed. Je peux être la porte qui a commencé l'église en Angola. I can be the apostle that started the church in Angola. Mais cela ne veut pas dire que je prends ma dîme, j'envoie là-bas. That does not mean that I take my tithe and send over there. Ta dîme. Your tithe. Tu ne manges pas de McDo. Je vais aller payer dans les Burger King qui est à côté de chez nous. J'aime ça là parce que c'est tout près de nous. You like, you don't go and consume it at Burger King or McDonald's. Tu ne divises pas ta dîme. Tu n'as pas les droits. C'est pas ton argent. You do not divide your tithe. It's not tu your money. Tu la mets à la maison du trésor. You bring it in the house of treasury. Ton offrande. Your offering. Tu peux en faire comme tu veux. You can c'est do as you please. It's your money. Dieu ne te dira rien. God fais will not tu ask of you. C'est you can do whatever you want. Mais ta dîme, tu la mets à la maison du trésor. You bring it in the house of treasury. Il dit, enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. He said so that there may be food in voilà my house. Voilà pourquoi la dîme n'est pas une semence. That's why the tithe is not a seed. C'est la nourriture des hommes et des dieux. La nourriture. Ils vont manger ça. Food of, ce que tu attends comme semence, c'est ce que tu vas aller semer. What you are waiting for your harvest is what you will go sow. Nous devons comprendre et ne rien confondre. We have to understand and not confuse things. Demande à quelqu'un, tu as compris. Ask someone, did you understand? Quelqu'un a dit, j'ai compris, mais je vais demander mon pasteur à Congo. Someone said, I understood, but I will ask my pastor back home. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can we clap our hands for the Lord? Écoutez, vous savez pourquoi je suis confident en ce que je suis en train de dire? Listen, you know why I'm confident in what I'm saying? Parce que je vérifie dans les Écritures avant de dire ce que because I verify in the Scripture before I say it. Deuxièmement. Secondly. Parce que j'ai les hommes de Dieu ici. Because I have a servant of God here. Ils peuvent attester ce que je suis en train de dire. They can attest to what I'm talking about. Amen, amen. Amen. Maintenant, cinq choses que je dois dire sur les prémices. Now, cinq choses importantes. Five things that je dois dire sur les prémices. Speak about on que the tu dois comprendre quand tu fais les prémices. That you have to understand when écoute ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Tu prendras des prémices et de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Dis avec moi, le lieu que choisira l'Éternel son Dieu, mon Dieu. The place where the Lord your God will choose. Pour y faire résider son nom. Amen. Quelqu'un a compris? Someone understand. Écoute le verset 4. Il dit ceci. Il dit. Non. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Dis le sacrificateur en fonction. Say the high priest in function. Et tu lui diras. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu. Je suis entré. Dis avec moi, tu déclares. You would declare. Je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Quatre versets, il dit. Le sacrificateur les recevra les corbeilles de ta main. Dis de ta main. From your hand. Et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et la déposera devant. Hein? L'autel de l'Éternel est ton Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais dire cinq choses importantes que tu dois connaître sur les prémices. I want to say five things important. First. Les prémices.
doit être apporté à l'endroit que le Seigneur a désigné où se trouve son nom. The first food will be brought to a place where God has said this. Pour nous, c'est l'église. For us, it's the church. Le premier, ça doit être apporté à l'église. The first food has to be brought. Quand on était les païens, when we were Gentiles, le premier salaire, je le donne à mon papa. The first food you give it to your father. Je le donne à mon oncle. I give it to my uncle. Qui m'a élevé. That raised me. Prends ça, ça. So then they take it and then they blow on it. Mon fils. And they do all that. Papa. Il fait tout ce qu'il a à faire. And then he does whatever he needed to do. Mais quand tu es l'enfant de Dieu, but when you are a child of God, le premier que tu reçois, the first tu l'apportes à la maison de Dieu. You bring it to the Lord. Secondly, tu le donneras au sacrificateur en fonction. You give it to the high priest in function. Ça peut être l'apôtre de l'église. It can be the apostle ça of the church. Ça peut être le pasteur titulaire de l'église. It can be the le responsable numéro un de l'église. The responsible, the tu apportes ton prémisse à lui. You bring your first fruit to him. Tu ne l'envoies pas à la télévision. You do not send it to on TV. Tu l'apportes. You bring it. Désigné par le nom. Designated by God. Et au sacrificateur responsable. To the en fonction. In function. Troisièmement. Thirdly. Tu diras. You will tell him. Je suis entré. I came Dieu in. M'a béni. Voici mon premier salaire. God bless me and this is voici my first salary. Voici mon premier increase. This is my first increase. Voici mon premier bonus. This is my first bonus. Je vais amener ça au Seigneur. I'll bring it to the Lord. Pour que tu pries pour moi. So you can pray for me. Quelqu'un a compris? Someone understands. Quelqu'un a compris? Someone understands. Ce sont les choses que tu fais avec les premiers. That's what you will do with the first food. Mais écoute la quatrième chose. Listen to the fourth thing. J'ai mis un verset pour que tu comprennes. I put a verse so that you may understand. Écoute ce que le verset dit. Listen to what the Bible says. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices. Écoute ce que le Seigneur dit. Mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme une offrande d'une odeur agréable. Vous allez présenter les prémices, mais vous n'allez pas l'amener ici là quand vous amenez vos dîmes et vos offrandes. They say you can present it, but you're not going to bring it as you bring your tithes. Vous ne l'amenez pas à l'autel. That's not the way you do it. You don't bring it at the altar. Le recevra de ta main. So you receive it from your hand. Les prémices sont reçues de la main. The first fruit are received from your hand. Les prémices sont reçues de la main. The first fruit are received from your hand. Dieu doit recevoir Christ. God has to receive Christ. De la main. From his hand. On ne met pas les prémices dans le panier. You do not put the first food in the basket. Dans le panier. In the basket. Il est reçu de la main. It's received from your hand. Pourquoi? Why? Suis bien ce que je vais dire. Listen to what I want to say. La cinquième des choses. Fifth thing. Parce que le sacrificateur est lui, c'est lui qui va le déposer devant l'Éternel. Because the high priest c'est will put it on the c'est altar. Lui. It's not you, it's him. C'est lui qui présentera ton prémice à l'Éternel. It's him that will present your first food to c'est the Lord. C'est lui qui dira au Seigneur, bénis ton enfant pour son prémice, assure sa récolte au nom de Jésus. It's the one that will say, bless your child for his first food on this harvest. Qui a compris? Who understood? Moi aussi, je ne savais pas. I also did not know. Je faisais aussi par ignorance. I was just doing by ignorance. Mais lorsque nous recevons la connaissance, but when you receive knowledge, nous devons appliquer avec la we have to apply with knowledge. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Is someone understanding? C'est important que tu comprennes. It's important for you to understand. Qu'est-ce que Dieu fait de la prémisse? Ou l'homme de Dieu? What does the man of God do of the first food? Dieu donne la prémisse à son serviteur comme le droit de l'onction. God gave the first food to his servant as the right of anointing. C'est pas moi qui le dis. It's not me that c'est saying. Dieu qui le dit. It's God saying. Écoute ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Nombre 18, verset 8. Numbers 18. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Dis avec moi comme droit d'onction. Say par with une me. Loi perpétuelle. Right of anointing. Verset 9 dit ceci. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Verset 10, il dit. Verse 10. Vous avez changé. J'ai mis un verset. Vous avez vu un de. J'ai sauté. Mis seulement le dernier verset là que j'ai. Ok, voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons des enfants d'Israël présenteront à l'élévation. Ok, ça va, vous avez changé, mais that's fine. Il dit ceci. Ok. Je te donne les prémices qu'ils m'offriront à l'Éternel. Qu'ils offriront à qui? À l'Éternel.
à l'Éternel. Moi, Dieu, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Moi, l'Éternel, je donne ça à qui? Me, the Lord, I give it to whom? I give it to maintenant, suis-moi très bien. Now listen to parmi me, les fils de Lévi, amongst the son of Levi, Levi had a lot of sons. Aaron était le fils de Lévi. Aaron was one Miriam of them. Était le fils de Lévi. Miriam, Moïse était le fils de Moses Lévi. Was the son of Levi. Maintenant, parmi les fils de Lévi, now amongst the sons of Levi, Dieu dit, je prends Aaron. God said, I'm taking Aaron pour les sacrificatures, as a, for priesthood, for pour l'autel, for the altar. Donc, le travail de l'autel, so the work of the altar, c'est je donne à Aaron et à ses enfants. I give it to Aaron and his sacrificateurs, children, the high priest. Mais les autres Lévi, but other Levites, les enfants de Moïse et les enfants de Miriam, the children of Miriam and vous, Moses, vous allez servir seulement au temple. You will serve in the temple. Si un enfant de Moïse, if a child of Moses, si un enfant de Miriam, malgré qu'il est Lévi, Miriam, although he's a Levite, entre dans le tabernacle, gets into the tabernacle, et que le fils d'Aaron n'avait pas encore fini d'emballer les histoires, il va mourir là. And the son of Aaron had not, were not done yet, he parce que ce n'est pas son travail. Because that's not his job. Maintenant, quand les fils de Lévi, now when the sons of reçoivent leur dîme, when they receive their tithe, leur prémisse, the first fruit, ils apportent ça aussi à Aaron. They bring it to Aaron. Lévi, Lévi, Lévi. They are Levites. Quand les mamans José reçoivent leur dîme, when they receive their tithe, ils apportent à leur Aaron. They bring it to Aaron. That's what the Bible is saying. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone understanding me? C'est comme ça. Dieu était Dieu d'ordre. Il n'a pas laissé God is a God of order. He didn't say just, you know, figure maintenant, it out. Dieu dit ceci. God says this. À cause de le droit de l'onction. Because of the right of anointing. Je donne ma part qu'on me donnera à qui? I give my part that will give given to me to who? Aaron. To Aaron. Lorsque nous comptons les offrandes et les dîmes de l'église, when we are counting the offerings and the tithe of the church, on ne compte pas les prémices et l'exertion des grâces comme si les offrandes de l'église, non. You do not count. Non. You do not count the first fruit and Dieu the là. And je suis en train de you, not, you don't count it as an offering and tithe of the les church. Les actions de grâce et les prémices n'appartiennent pas au compte de l'église où on paye les billes, on paye. Non, non, non. Those Thanksgiving offerings Dieu dit, do not je les donne à toi comme droit de the account of the church where you pay the bills or whatever. Dieu t'a dit quoi? I'm giving it to you. Toi là où tu travailles, on te donne les bonus. Where you on work, te donne ça. Moi bonus. Aussi, je donne les bonus me à qui? Also, à mon serviteur. C'est sa part. C'est son argent. That's je lui donne ma part. I'm giving him. Est-ce que vous work? Comprenez? Quel enfant de Dieu, lorsqu'il mange la dîme, that a child of God, when Dieu fait de cela un problème. Mais il y a son serviteur, toi tu vas manger ça. Entre toi et moi, mange ça. He tell his servant, you know, this, you eat. Je ne sais pas si vous comprenez. You. I don't know. Dieu dit, les Lévites vont porter l'arche. I said the Levi are gonna carry the ark. Entre eux et le peuple, 2000 coudées de différence. Between them and the people will be 2,000 feet. Ce qui met la différence de distance entre eux et le porte dans leurs épaules. What makes the difference is what they are carrying on their shoulders. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Où ça touche l'arche, il meurt. Who's attached the ark and he died? Mais les sacrificateurs ils portent ça sur leurs épaules. But the high priest are carrying it on their shoulders. Il y a des choses que Dieu a laissé réserver à ses serviteurs. There are things that God reserved to his servants. Voilà pourquoi quand tu le manges, Dieu dit que tu es coupable, tu manges ce que tu ne dois pas manger. That's why when you consume, God say you are guilty, you are consuming what est-ce you should not. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone understanding me? Nous devons connaître la parole de l'Éternel. You have to know the word mais of the Lord. Mais ne pas faire émotionnellement. And not do it by feelings. No. No. Oh, toi qui me suis à la télé, toi qui me suis à la télé, so si tu donnes seulement ton prémisse, tu TV, touches la télévision, je déclare aujourd'hui, Dieu va t'envoyer un avion du ciel. God will send you a plane from heaven. Ah, oui, il peut le faire. Yes, he can do it. Mais Dieu a établi des principes but de God ta bénédiction. Established principles of your blessing. Il a enseigné à Moïse ses voies. He taught Moses his ways. Lorsque nous connaissons les principes, when we know the principles, c'est alors que Dieu nous bénit. That's when God blesses us. Les prémices, the first fruits, appartiennent à Dieu. Belong to God. Il le donne comme un droit. He gives it as a right. Maintenant, écoutez. Now listen. Parce que l'homme est de Dieu. Because the man of God. Et son représentant, his representative, son ambassadeur, his ambassador, Dieu lui donne les droits, God gives him the right, de recevoir les prémices, to receive the first fruit, qu'on donne à lui, that they give to God. Quelqu'un a compris? Someone understands? C'est important que nous comprenions. It's important for us to understand. Son importance, it's important, et comment ça nous bénit, and how he blesses. Mais là, deux points importants pour que nous allions finir. Now two important points so that we may finish. Deux points importants pour que nous allions finir. Two important points so that we can go finish. Quelle est
différence entre la bénédiction qu'apporte la dîme et la bénédiction qui peut apporter les prémices? What's the difference between the blessing that the tithes bring and the blessing that que tu le fasses the avec first connaissance. Bring so that you can do it with knowledge? Écoute ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Ézéchiel 44 verset 30. Ezekiel 44 verse 30. Écoute ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au qui? Au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte. Il dit quoi? Afin que it says what? So that la bénédiction quoi? Repose sur votre can dwell in your house. Afin que so that afin que représente quoi? La raison. That's la raison repose sur votre blessing. Je sais que quelqu'un lit mais ne comprend rien. I know someone is reading but they do not understand. Maintenant écoute ce que je vais dire pour que tu comprennes. Now listen to what I would like to say for you to understand. Laisse-moi dire d'abord c'est noté bien. Let me give a note. Dans le monde spirituel. In a spiritual realm. Ta bénédiction est déjà là. Your blessing is already there. Mais ta bénédiction pour t'atteindre doit être activée par une offrande. But your blessing to reach you has to be activated by your offering. Et des paroles déclarées sur l'offrande que tu donnes. And words that are declared on the offering that you gave. Quelqu'un n'a pas écouté. Someone did not understand. Laisse-moi répéter ce que Let je dis. Let me repeat what I said. Je dis ceci. I'm saying this. La bénédiction est là. The blessing is there. Mais Isaac, but Isaac doit manger. Has to consume une offrande. He has to consume the offering. Et dire les paroles. And then say words. Dans le monde spirituel, in the spiritual realm, la bénédiction est là. The blessing is there. Mais elle est activée par une offrande. But it's activated by an offering. Et des paroles qui les comprennent. And then words are also complete. Laisse-moi répéter ce que je dis. Let me repeat what I said. Dieu du haut du ciel, God from heaven, doit sentir l'odeur de l'offrande de Noé. Has to smell the offering of Noah. Et Dieu dira. And God will speak. À cause de cet odeur. Because of that smell. Laisse-moi répéter ce que je dis. Let me repeat what I said. Isaac, Isaac doit aller comme une offrande. Has to go as an offering. Dieu verra l'offrande. God will see it. Et Dieu dira. And God will speak. Parce que tu m'as honoré. Because you have honored me. Qui n'a pas encore compris? Who did not understand? La bénédiction est là. The blessing is there. Mais Élie. But Elijah doit manger has to eat ce que la veuve préparera what the widow has cooked pour dire une parole. And then say words. Écoutez-nous de l'autre côté. Listen to us on nous the other side. Nous cherchons la bénédiction sans quelque chose qui peut l'activer. We are looking for a blessing without anything to activate it. Dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça. In things of God, it's not so. La bénédiction blessing doit être activée has to be activated par une offrande by offering et des paroles qu'on and then words that you are saying. Ma prière est que quelqu'un comprenne. My prayer for someone to understand. Mais la bénédiction doit être activée. But the blessing has to be activated. Par quoi? By what? Par une offrande. By an offering. Quelqu'un a compris? Someone understands. Et des paroles qu'on déclare sur cela. And words are declared. Tout au long de la Bible, tu verras qu'il y avait une offrande et on a déclaré sur cela. All along the Bible, you can see there's an offering and there was. Tu dois être éveillé, réveillé. Avoir l'esprit de la révélation. Awake. Your mind has to be awake. Il y a des moments où ta prière n'a pas été accompagnée d'une offrande. There are times that where your prayer was not accompanied by. Pour que cela puisse activer ce qui est déjà arrêté au ciel. So that that may be may activate what happened in heaven. L'odeur de cela. The smell of that. Fera que le Dieu du ciel le fera. Will make so that the God of heaven will do. Le diable fera tout que nous n'appliquons pas les principes établis par Dieu. The devil will do everything so that you don't apply the principle established by God. Maintenant, suis-moi très bien. Now listen to me. Quelle est la différence entre la bénédiction qu'apporte la dîme et l'offrande? What's the difference between the blessing from the? Les prémices, ça c'est les prémices. These are mais the le first verset fruit. Qu'on avait lu d'Ézéchiel, ça c'est les prémices. It's the first fruit. Ça c'est la dîme. It's the tithe. Suis très bien. Listen carefully. Qu'est-ce que la dîme fait? What does the tithe do? Ouvre les écluses des cieux. Open up the windows of heaven. N'est-ce pas? Yes. Fait que la bénédiction descende dessus. Will make the blessing come down on mon champ. Lève bien mes mains. On my field. La bénédiction dépend sur la semence. Blessing comes down on the. Fait que on Dieu menace pour moi qui. It will make so that God qui vient will les sauterelles, les qui viennent manger dans mon champ. Il faut avoir l'image de cela. Trying to eat up my harvest. Et on me plaira bienheureux à cause de là. And they'll call me. Quelqu'un a vu ça? Well to do because of what? La bénédiction de la dîme dépend de quoi? The blessing of the tithe depends on what? Dans mon champ, la semence que j'ai mis. It depends on the seed that mon I champ. Have in my field. La semence est descendue dans mon champ. La bénédiction est descendue là. The seed is Dieu bénit l'œuvre de mes mains. My field. God blesses the quelqu'un work a compris? Is someone understanding? Mais écoutez maintenant la bénédiction du prémisse. But listen to the blessing of en the first que so that la bénédiction fasse quoi? The blessing can do what?
La raison fait quoi? So that the blessing can do what? Se repose où? Dwells where? Dans ma maison. In my house. Le premier c'est contrairement à la dîme. Bénis la maison. To the tithe will bless my house. La bénédiction de la première se repose dans ta maison. The blessing of the first fruit dwells in your house. Tes enfants qui étaient maladifs à cause de la première, Dieu commence à donner la santé. Your children were sickly because of tes enfants qui n'étaient pas intelligents à cause de la première, Dieu commence à donner des Your children that were not smart, God start giving them A notes. Tout celui qui habite dans ta maison, everyone that dwells in your house, il voit qu'il commence à être béni parce qu'il habite une maison où la bénédiction repose là. They stop being blessed because they are dwelling in the house. Quand la dîme est bénie mon champ, mon travail. When the tithe blesses my work. Mais la première c'est bénie même tout ce qui habite dans ma maison. But the first fruit blesses even everyone that lives in my house. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. I don't know if someone is understanding. Le premier c'est fait que l'église est bénie à cause de Jésus. The first fruit makes so that the church is blessed. La bénédiction est dans l'église. The blessing is in the church. Le premier. The first fruit. Change la santé de tes enfants. Change the health of your children. Ton mari voit des promotions. Your husband is tu vois des faveurs à l'école. You get favors. Tu vois des élévations de promotion. You see good things. Parce que ça change. Because it changes. Quand la dîme bénit le travail, when the tithe blesses the work, la maison, the first fruit blesses the house. Donc elle devient une permanence dans ta maison. It becomes a permanent in your house. Voilà pourquoi les prémices. That's why the first fruit. Ça être un problème d'accord entre l'homme et la femme s'ils sont mariés. It has to be a problem of agreement between a man and a wife. I mean, when if they married. Les prémices doivent être un problème d'accord. Nous nous accordons. The first fruit has to be an agreement. Je dis vrai au nom de Jésus. I say, I'm telling the truth in the name si of Jesus. Si tu comprends la vie des prémices. If you understand the life of the même si les médecins ont dit que ton enfant est né avec une maladie qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Even if the doctor je dis vrai au nom de Jésus. Cette maladie à cause de la maison qui se reposera. Cette maladie qui first food, that disease will go away. Mon problème que j'ai des gens qui ont compris. My problem is to have people who have understood. Que la dîme n'a rien à voir à confondre avec les prémices. That you cannot confuse the tithe and the first fruit. Parce que la dîme. Because the tithe. Change les statuts de ma maison. The tithe changes the status of. Celui qui n'avait pas l'agenda de marier, il vient habiter dans ta maison, il va se marier. The one that is. Celui qui avait une maladie, il vient à ta maison, il reçoit la guérison. Celui qui ne pouvait pas recevoir l'immigration dans ta maison, il reçoit l'immigration. Parce que la bénédiction repose sur ta maison, repose. Dwells in your house. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un. That's what I'm telling someone. Tu dois savoir activer les choses par l'offrande, par la connaissance que tu comprends. Tu peux donner. You can give. Je peux donner. I can give. Mais la connaissance fait la différence. But the knowledge will make a difference. Est-ce que je donne les prémices depuis que j'ai compris? Bien sûr. Do I give my first fruit since I understood? Yes. Je donne à votre grand-père. I give to your grandfather. Parce que c'est lui mon Aaron. Because he's my Aaron. De même que Chibang ou David fortuné. The same way. Nous devons appliquer we have to apply the first fruit in our lives. Chibang, est-ce que tu as compris? Do you understand? Nous devons l'appliquer. We have to apply him. Parce que je suis votre Aaron. Because I am your Aaron. Amen. C'est comme cela bibliquement. That's the way it is biblically. Maintenant, je pose la question. Now I'm asking a question. Si ma maison est noire, if my house is in the dark, j'allume la lumière. Qu'est-ce qui va rester? And I turn on the light. What will happen? Qui chasse qui? Who chase who away? Même si la ville, ta famille, ta belle famille, ceux qui t'ont payé les billets parce que tu n'as pas envoyé l'argent, comme tu as envoyé à ta maman, t'es maudit de loin. Even if they curse you mais maintenant, toi, far, tu comprends ces réalités. But you understood this quand reality, la maison viendra reposer dans ta maison, when the est-ce que la malédiction house, pourra rester? The curse est-ce que la maison pourra rester? The curse remains. Maintenant, écoute ton problème. Now listen to your problem. Il y a des choses qui sont des principes. Things who are, that are toi, tu penses que tu vas les chasser dans les liens, dans les chasser dans le nom de Jésus. Oh, Jesus! Non. Une offrande de promesse est nécessaire pour que la maison repose dans ta maison. A first fruit offering is necessary for the blessing to remain in your house. Qui est en train de comprendre? Who's understanding? Aïkor, je vous en supplie. Aïkor, I beg of you. Agissez avec connaissance. Act with knowledge.
Ne sois pas des gens qui agissent par sentiment. Do not be people who act by emotion. Qu'on ne te pousse pas à donner par émotion. We don't want to push you to give Donner by emotion. Par la connaissance que tu as. Give, push by the knowledge that you have. C'est ce qui fera la différence. That's what will make a difference. Si ta semence, if your seed, n'entre pas en contact avec la terre, does not get into contact with the ground, elle ne produit pas. It will not produce. Qui a compris? Who understood? Mais là, la dernière chose. Now the last thing. Parce que comme m'avait dit déjà. Marc, mon temps est tenté d'aller. Because Mark told me my time is almost at the end. Amen, amen. Amen. La dernière des choses. The last thing. Quand est-ce qu'on donne les prémices? When do you give the first fruit? Dans le calendrier de Dieu. In God's calendar. Je vais aller vite et je vais dire seulement. I'm gonna go fast and say something. Parmi les fêtes que Dieu avait donné aux Juifs. Amongst the feast that God has given to the Jews. Il avait aussi les fêtes des prémices. It was also the feast of the first fruit. Le calendrier de Dieu selon Israël. The God's calendar according to Israel. Il commence avec the full moon. It started with the full moon. Full moon. C'est là où le temps commence. That's when time comes. The calendar starts. Le full moon. Quand la lune, on dit l'éclipse. Quand la lune est pleine. The full moon, when the moon is full, that's when you start. Le calendrier que nous utilisons le solar moon. The calendar, we use a solar calendar. Mais Israël utilise le But the lunar calendar, la but, lune. But the parce que c'est comme Israel que uses Dieu a voulu. The lunar calendar. C'est ce que Dieu a voulu. Because that's what God wanted. Vous rappellerez même quand Jésus était à la croix. You remember even when God, Jesus was at the cross. L'éclipse c'est lorsque la lune vient entre la terre et le soleil. And the eclipse is when the moon comes in front of the sun. Quand Jésus était à la croix. When Jesus was at the cross. Israël compte avec des lunar, pas des solar que nous utilisons. Israel does not use the solar calendar, he uses the lunar Lorsqu'ils calendar. Sont sortis de l'Égypte, when they came out of Egypt, Dieu a dit ceci à Moïse. God told this to Moses. Ce mois ici sera pour vous. This month will be for you. Le premier mois the first de month l'année. Of the year. Le, pour vous. For you. C'était le calendrier que Dieu leur avait donné. That was the calendar that God gave them. Donc leur fête commence par la Pâque. So their feast start at the Passover. Parce que c'est le premier mois où ils sont sortis. Because it's the first month they came out. Le 14e jour du mois. On the 14th day of c'est the month. C'est là où l'agneau devait être immolé. That's when the sheep had Dieu to dit, be ce mois killed. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. God said this will be for you the first month of Donc, the year. Donc l'année Israël, ils ont des calendriers, les calendriers religieux, les calendriers de tout le monde. So Israel has two calendars, the religious one and then the regular one. Maintenant, les mois là qui sont sortis, on appelle ça les mois de Nissan. On avait déjà prêché so ça. So the month YouTube. Where they came out, that's the month of Nissan. Maintenant, le mois de naissance c'est entre le mi-mars et le début avril. So that's between mid-March and the beginning of April. Pour connaître que c'est pas notre date, la Pâque. For you to know that it's not our date, the Passover. Voilà pourquoi les dates changent. That's why the dates change for Pour Easter. Pour connaître le Christmas, c'est vous qui avez mis ça, la date ne change pas. For like a Christmas, the date does not change. C'est ça. La Pâque c'est pas notre fête. Easter is c'est not ce que our, Dieu leur avait our donné. Feast. It's for what God la, gave. La Pâque cette fois-ci c'est le combien? Le 7? Le combien? Easter today le is premier. In April. It's the le mois passé là c'était 6 et 14. Last year was like the 14. Parce que ce n'est pas it nous qui fixons ça. It's not us that fix c'est Dieu qui a fixé calendar. Ça. God fixed ça dépend de moon. It depends on the moon. Ils calculent là où ça tombe, c'est là où ça est. So they calculated with Mais the moon and then they give the date. Vous avez mis July, le 25 décembre, ça c'est vous qui l'avez mis. Christmas, et ça reste July, intact, ça ne bouge pas. Mais la Pâque, c'est la fête change. Que Dieu a donnée. But Easter is the c'est pas nous, c'est Dieu qui l'a mis. Maintenant, Dieu a dit ceci. But God said this. Le soir de ce 14e jour. On the evening of that 14th day. Qui est déjà, quand on dit le soir, on entre déjà le 15e jour. When they say vous allez maintenant manger le pain sans levain. Le pain sans levain. You eat bread without yeast. Et à la fin de ce septième jour, and at the end of that seventh comme day, le 21, as it's like the 21st, c'est alors que vous allez célébrer la paix de sans levain. That's when vous célébrez les prémices. That's when you will celebrate the feast of first fruit. Donc, si nous devons être dans le calendrier de Dieu, so if we have to be in God's calendar, quand est-ce qu'on doit donner les prémices? When do we have to give our first fruit? Jésus est mort à cause de la Pâque et il est ressuscité. Le premier jour de la semaine. Jesus Donc, died during Passover selon la calendrier juif, les prémices est donné la semaine après la Pâque.
Parce que c'est là où Jésus est ressuscité. The first fruits are given the week after Easter, because that's when Jesus resurrected. Pour se présenter à Dieu comme notre prémisse. To present himself to God as our first fruits. Dans le calendrier des Hébreux, des Juifs, dans les calendriers, c'est là où on présente les prémisses. So parce que dans leur calendrier, le premier mois, c'est pas janvier comme. That's when you present it, because in their calendar, the first month is not January. Donc like vous avez la Pâque. So you have Easter. Vous avez la fête, les sept jours de pain sans levain. You have the 7 days of bread without yeast. Unleavened bread. Et vous avez maintenant les prémices. And Jésus se présente devant Dieu après la Pâque. Jesus is presenting himself to God after. Ce qui veut dire, si nous devons être dans les prémices, so if we have to be in the first food, ça sera le dimanche après la Pâque. It has to be the Sunday after Easter. Qui a compris? Who understands? C'est comme cela que tu as mis. That's how God. Les autres fêtes qui viennent après. Other holiday or feast that comes le after. Des trompettes, le fête the fête des trompettes, atonement, le fête de tabernacle. C'est quand on a déjà la récolte. It's when you already have your harvest. Mais les prémices avant la récolte. But the first fruits before the harvest. Maintenant, je vais finir. Écoute ce que je suis en train de dire. I'm going to finish by saying this. Je ne t'obligerai pas à participer dans le fête des prémices. I am not going to obligate you to participate in the j'aimerais que tu actes selon la connaissance que tu as reçue. The first fruit, but I want you to act according to the knowledge you receive. Normalement. Normally. Si c'était notre calendrier. If it was our calendar. On pouvait donner les prémices. We could have given the first fruit. Au début de l'année, janvier. At the beginning of the year in January. Parce que je détermine qu'est-ce que je vais avoir comme récolte de l'année. Because I'm determined what I want to have. C'est la différence entre les prémices et la dîme. During the la year. Dîme est ce que je réussis. Les prémices, c'est que je ne sais pas quelle sera ma récolte. The first fruit mais is je vais déterminer par les prémices. Jésus est là, l'Église est maintenant rassurée que nous irons. Jesus is there, the church is now reassured that normalement, we'll on pouvait le faire au mois de janvier. Normally we had to do in the, comme on fait l'offrande d'action January, de grâce parce que nous avons traversé. Like you do the, mais les prémices, c'est ce qui déterminera ta récolte. But the first fruit is what will determine your harvest. Mais si nous devons être dans les calendriers. But if we have to be in a biblical calendar, même si c'est au mois d'avril, even if it's in mais heaven, nous voulons le suivre après la Pâque parce que c'est Jésus a suivi le calendrier de Dieu. Because Jesus followed. Il a respecté la Pâque. Il a été dans les pains sans levain. Il est monté au temple. Il est ressuscité comme cela doit être comme les prémices. Il a suivi le calendrier de Dieu. He followed God's calendar. Qui a compris? Who understood? Voilà pourquoi on dit que notre agneau a été immolé. That's why we say our lamb was donc, killed. La Pâque. So the Sunday after Easter, on fera le prémices. We do the first fruit. Pour appliquer ce que nous avons reçu. To apply what we have received. Hey, Yahweh, Yahweh.